Bonjour. Aujourd'hui, je vais remplir mon bulletin d'adhésion au club Albert Évasion pour l'année 2021-2022. Tiens, le président a envoyé un mail aujourd'hui. Bulletin d'adhésion. Ah, j'espère que pour cette période estivale, tout va bien. Hein. Sur le site, ah oui, sur le site, où est-ce qu'il est le site? Ah bah oui, il n'y a pas de lien, je vais cliquer sur Albert Évasion. Albert Évasion, les dernières infos. Ah bah voilà, le bulletin d'adhésion. Je clique. Ouais, bulletin d'adhésion. Pour imprimer, télécharger. Ah oui, cliquez sur les deux. Ah bah oui, je peux ouvrir le fichier, l'imprimer, le télécharger. Attention, hein, c'est bien ça. Voyons en dessous. Ah, je vais mieux ça. Télécharger le bulletin d'adhésion. Voyons un petit peu. Je télécharge le bulletin d'adhésion. Alors, voilà. Oh, mais c'est bien ça. Bon, je vais le mettre sur moi. Ah oui, je dois tout voir. Bon, ben, je vais le remplir. C'est impeccable ça. Bon, ben je m'appelle Michel. Voilà. Tabulation. Ah ben non, je m'étais trompé là. C'était l'inverse. Je m'appelle Aubrin. Michel. L'adresse 4 rue du Carlite. Code postal 66 690 à Sorède. Voilà. Né le bon rempli tout, renouvellement, voilà. Je clique dessus. La signature, ben, on verra après. L'adhésion, tac, tac, tac. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai une petite flèche, je clique là. Je l'en télécharge avec les modifications. Voilà. Je vais l'enregistrer, mais je vais dire que c'est le mien. Donc, Michel Aubrin. Voilà. Et je le mets sur mon bureau. On est d'accord. Enregistré. Et maintenant, eh bien, c'est fini. J'ai plus qu'à fermer cette page-là. Bulletin d'adhésion, elle est là, voilà. Et je peux revenir, si je veux le faire pour ma femme, eh bien, je recommence l'opération. Et je fais non au moins, on est bien d'accord. Janine. Oh, je ne vais pas vous embêter avec le reste, mais par contre, quand je vais le télécharger, je vais bien faire attention avec les modifications de ne pas l'appeler pareil. Donc, bulletin d'adhésion, je prends là, mais au lieu de mettre Michel, eh bien, je mets Janine. Voilà, enregistré. Et j'ai maintenant rempli mes deux bulletins d'adhésion. Si je vais dans mon gestionnaire de fichiers, je vais sur le bureau et je vais bien retrouver mes bulletins d'adhésion. Voilà, Jeannine Aubrin, il est là. Eh oui, et je peux maintenant l'imprimer, l'envoyer, et c'est terminé. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à tout fermer et vous dire au revoir.